Allez, je continue cette petite série sur PS1, des adaptations de jeux de tir Psycho. Donc là, par Atlus, on voit le logo Psycho, on voit que c'est Atlus qui est l'éditeur de ceci. Toujours dans le même état d'esprit, de savoir est-ce que j'ai des choses en plus dans ces versions, parce qu'on a bien vu avec Gunbird qu'il y avait des choses en plus. Donc là, on a différents modes d'affichage, original 1 en Yoko, et là je pense que c'est en Tate. Il y a un arcade mode et un fighter index. Qu'est-ce que ça représente? Je n'en sais rien. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la notice? Pas grand-chose. Si on voit les différents modes, donc différents modes d'affichage, je pense, et le fighter index. Alors, peut-être des informations sur les différents avions. Je n'en sais pas plus. Donc le mieux, c'est d'aller voir dans le jeu lui-même. しかし、かねてより各国の軍上層部との癒着が噂された謎の国際組織キャニーが密かに軍部を掌握。実戦配備に至らなかった新型兵器群をもって全世界を内側より転覆させんと策謀していた。各国の不穏な動きをいち早く察知した連合軍司令部は秘密裏に全世界よりえりすぐりの名戦闘機とそのパイロットを招集。キャニーに対抗すべく特殊部隊ストライカーズを結成する。今ここに歴史の陰に隠された最後の世界大戦の火蓋が切って落とされる。Allez, c'est parti pour Mid Strikers 1945, premier du nom. Donc on peut s'apercevoir que déjà par rapport à la version Switch, PS4, PS2, il y a une intro en image de synthèse. Ça vaut ce que ça vaut, mais elle existe. Alors on a le choix entre le mode 4 tiers, le mode tâté avec scrolling et le vrai mode tâté. Et on a le Fighter Index. Alors attention, c'est une feature particulière. Bon, regardez, je vais sélectionner cet avion, le premier, le P-38. On a une petite description orale et en image de synthèse de l'avion en question. Donc ça, c'est quelque chose que vous n'avez sur aucune version, hein, au-delà du petit film d'intro. Donc je suppose que c'est une description de l'appareil et de son armement. Hein, c'est pas extraordinaire, me direz-vous, mais... Celui qui n'a jamais eu la version PSN ne saura jamais que ça a existé. Donc heureusement, Papa Gaming est là pour combler ce vide. Tout le monde a joué à la version PS2 et maintenant plus récemment donc les versions, les compiles Psycho. Et ceci serait tombé dans l'oubli. Mais ce n'est pas possible. Alors bien sûr, on va peut-être pas tous les faire. Je pense qu'il y en a pour chaque modèle. On va passer en revue tout ce qu'il y a. Donc la petite description, alors c'est assez sombre hein, de base, hein. C'est pas mon enregistrement, déjà le rendu de base est assez sombre. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça vraiment dans le noir, c'était peut-être un choix esthétique. Donc on voit les photos qui passent du noir et blanc à la couleur, c'est rigolo.
Donc il y a toute une description, donc c'est, oui, c'est assez long. Donc on a celui-ci, on les a tous, hein. 909, ouais, même cet avion bizarre. Eh ben, il n'y en a pas tellement, hein. Allez, on va se faire celui-ci. J'ai toujours trouvé bizarre cet avion. On dirait qu'il est à l'envers. Enfin, oui, l'hélice au cul, les ailes, il est étrange. Ah, j'y connais rien en même temps. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous faire part des spécificités de ces versions PS1, mine de rien. Alors peut-être que par la suite, pour la PS2, si je ne me trompe pas, donc ça a disparu dans la version PS2 où on avait une petite compile avec le 1 et le 2. Il me semble que ça a disparu, toutes ces petites features en images de synthèse, que ce soit le film d'intro ou les présentations des appareils. Voilà, donc ça a disparu, voilà, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour parler de ça. À bientôt les amis.